Bon bah c'est parti pour la suite de cette vidéo. Donc bah là nous allons parler de la boutique Onions Concept, donc boutique sur internet principalement. Oui. Alors pourquoi que sur internet ou en bourse et pas de boutique fixe? Bah parce que déjà à côté je travaille. C'est un bon point. Et si j'ai fait ça surtout pour plaisir et pour rencontrer des gens. Bah c'est vrai qu'en bourse on fait quand même pas mal de contacts, hein, même, voilà. Même par les réseaux sociaux. Pas par en bourse surtout. Mais après oui, c'est en ligne, c'est de la commande, c'est voilà. La loi de l'offre et la demande. Donc c'est vrai que ça coûte moins cher aussi. Ah bah c'est vrai qu'en ligne, oui, ça coûte moins cher. Bah, moins cher, ça coûte moins cher qu'en boutique, mais il y a quand même les frais de port qui sont là, sauf à certains niveaux de commande. Au niveau des charges, tout ça, au niveau de... Oui, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Beaucoup plus simple. Plus facile à gérer pour l'instant. Et la boutique existe depuis combien de temps exactement? Depuis le 1er juin 2014. Ah oui, donc oui, ça oui, va deux ans. Ça va se fêter. Deux ans, la boutique est toujours là, toujours debout, toujours en bourse, toujours de bonne humeur, donc c'est une bonne chose. Oui. Donc, c'est le principal. Voilà, donc après, ce qu'il faut, c'est qu'on ait plaisir à faire nos voilà, c'est plaisir, ouais, c'est du plaisir, c'est pas que ça soit une corvée. Voilà. Et pourquoi avoir plutôt être axé sur le matériel plutôt que sur autre chose ou, bah, déjà, pour commencer par le matériel, ouais. C'est principalement pour voir ce qui se propose, un peu ce qui est proposé. Comme... Pour un peu la différence de prix aussi, parce que je pense que tu vois l'envers du décor en quelque sorte que tu voyais pas avant dans notre voilà. Boutique. Le coût des taxes, hein, bien comme ça, des frais de port, des transporteurs. Surtout quand on commande à l'étranger. Ah bah, à l'étranger, c'est oui, c'est pas forcément une taxe, sauf bah, bien sûr, comme on sait, hors Union Européenne, hein, les taxes, la douane est là, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément plus avantageux de commander hors Union Européenne, notamment en Asie. Mais oui, après oui, c'est... Puis il y a quand même pas mal de concurrence aussi pour toi, en fin de compte. Oui, mais bon, c'est... moi je fais ça pour le plaisir. J'ai envie pas. Oui, t'envies pas comparé à certains autres qui ont envie. C'est j'ai pas non plus... Mais il y a quand même une bonne ambiance entre exposants de matériel. Oui, c'est ça le principal. Il n'y a pas de concurrence féroce pour avoir la place, la meilleure. Non, bah, pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré. Pour l'instant, espérons qu'il n'y en ait pas. Hein. Ouais, c'est... Donc ça va, ça reste la passion. Et après, je vois. Et puis j'essaie de présenter des produits qu'on ne voit pas. Qu'on voit pas ou peu d'ailleurs, oui. C'est des marques qu'on ne connaît pas encore. Puis ce qui est bien aussi, enfin, moi ce que j'ai remarqué, c'est que tu peux avoir des produits rapidement, sur commande, et surtout que si on a un produit d'une telle marque qu'on veut précisément, tel est mon cas, Disher comme je suis, tu arrives à l'avoir, et dans des délais vraiment raisonnables, notamment quand on parle de la bourse de Sargelles et Le Mans l'an dernier, où je t'ai demandé quand même, c'était deux cachettes, deux cachettes Exoterra, voilà, et, ainsi que bah, des plantes, et que tu as eu ça en une semaine top chrono. Même pas une semaine, oui, parce que le temps que toi tu les reçois, ça faisait moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Mais comparé à la demande que je t'avais faite, ouais, comme, comme on se voyait à la bourse, voilà. Ça a duré une semaine. Mais derrière, c'est bien, c'est qu'on peut demander à se livrer sur les bourses aussi. Hein. Bon, pas forcément non plus du matériel à gogo, mais si c'est des petites commandes, par exemple, réservées. Tout ce qui est petit matériel. Tout ce qui est petit matériel, voilà, ou un terrarium principalement, mais pas forcément le grand terrarium de 120, 60, 60. Il faut rester voilà, faut que ça reste un peu raisonnable. Ouais. Voilà, donc notamment, là on va commencer par le substrat, donc le substrat, donc bien sûr, tu peux, ça t'en amène à chaque bourse, hein. Ouais, et t'amène de tout. De tout. Donc là, tu proposes, là c'est tous les substrats que tu proposes de... Ouais, en grande partie, bon, il y en a qui vont te changer après, parce que parce qu'on va changer de marque, mais... Ouais, tu changes la marque, mais pas le produit, en pas le produit, voilà. Comme ça va changer, mais après le reste... Voilà, c'est juste l'emballage qui va changer, pour la marque. Voilà, c'est la marque. Voilà. Donc ça c'est tous les substrats que tu proposes, donc bah présente-nous un petit peu hein, quand même. Alors là c'est du... Le forest terrain c'est du... La noix de coco. Ouais, en... pas en compressé, donc là on va en compressé, là c'est en... Ouais. Et là c'est du humus de coco. Ok, compressé. Donc là c'est compressé. Pas pareil. Pas pareil, oui, différentes utilisations je suppose. Oui, de toute façon... Bah du sens, mais ça c'est pour... quand même pour le terrain... C'est tropical. Ouais, plutôt tropical pour garder l'humidité. Comme le terrain à nous. Là c'est de la tour mangée avec du sable. Ok. Ah oui, c'est plus efficace aussi pour le ouais, pour les, tout ce qui est tropical. Après, pour les sujets des articles, on a un excavateur. Hein. Excavateur qui est très pratique pour pouvoir modeler, notamment là, j'ai des cachettes ou autre chose. J'ai pas en stock, mais on fait aussi la gamme Lucureptil. Lucureptil, ouais, qui bah, c'est le même principe que l'excavateur, sauf que ça porte pas le même nom. Donc, voilà, c'est un peu moins cher. Un peu moins cher aussi également. Donc, voilà. tout bien info aussi au passage. Là, c'est un. C'est la terre, on va dire, la tourbe aussi, une mélange de tourbe. Ouais. Là c'est idéal pour faire des l'art mix de chez Arcadia, c'est comment dire idéal pour faire des terrariums plantés. Ah oui, 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 c'est idéal, c'est un peu de la terre en quelque sorte, mais là, c'est un peu avec un peu de l'engrais un peu biologique.
C'est naturel. C'est que du naturel. Voilà, pas d'engrais dedans, il y a pas d'engrais. 100% naturel. C'est donc c'est vrai que c'est pratique pour les animaux. Déjà, c'est pas d'engrais pour les animaux. Voilà, ouais, c'est marqué. Ok, donc ça c'est principalement donc, pour tout ce qui est planté. Tropicaux. Tropicaux et planté. Donc, voilà, celui-là, ouais. Okay. Après, on a du Dutaspen. Ouais. Petit coco, vraiment petit. Du tout petit coco, ça va, oui, c'est plus pour serpents, ça principalement. Ouais, serpents. Après, on peut en mettre aussi pour les pogos. Bah, pogo, après, oui, c'est pas les risques quand même. Voilà, mais plus pour serpents. Ouais, plus pour serpents quand même. Après, le pogo, oui, il arrivera sans doute à digérer, voilà. C'est en petite quantité. C'est en petit, c'est assez petit quand même. Après, on fait du la chambre. Voilà, donc avec le pro-rept, du unbreeding. Bidding. Ouais, donc principalement aussi pour le serpent. Ouais, serpent pour les grands sachets, sont plus pour du serpent. Ouais, serpent, là, c'est du copeau de hêtre. En tout petit, En tout petit. Puis de l'aspen classique. Qui est le plus utilisé d'ailleurs, il me semble, l'aspen. Hein. Ouais, je l'ai aussi en sac de 25 litres qui est de 14,5 kg. Ah, ouais, donc t'as différents gradients, donc oui, c'est pratique si on a qu'un seul serpent. Le Serrator, on l'a en 4,5 kg. En 9 et en 11. En 11 qui n'est pas forcément proposé partout aussi. Donc, parce que le seul t'es le seul à m'en avoir parlé à part Speed Reptile, donc de Quentin, qui avait déjà parlé à une expo. Mais après, en 11, bon, après, faut dire qu'on n'achète pas forcément de l'excavateur aussi pour faire un tout petit substrat au sol. Il faut vraiment vouloir. Enfin, on peut en acheter pour faire juste ça, mais l'idéal c'est qu'on peut. Il faudrait l'utiliser à 100% pour faire des constructions. Ah bon, il faut faire on peut faire quand même des cachettes. Pas... Moi personnellement, pour mes écoléopards, j'ai créé donc des cachettes, des tunnels, j'ai créé des ponts, des pylônes. Bah, comme pour le Puruna. Il faut faire un peu de maçonnerie. Je montrerai quelques photos dans le passage actuel, comme ça on pourra voir un petit peu ce que j'ai réussi à construire. C'est un peu con à construire, mais c'est pratique, ça peut nous permettre. C'est ludique. Voilà, ça vous permet d'économiser surtout sur des cachettes, hein, sur des éléments de décor. Voilà, c'est un bon produit, enfin moi je l'utilise, c'est un bon produit. Après les autres produits je les utilise pas forcément. Bah, disons, parce que j'ai pas de quoi les utiliser aussi. Hein. Oui. Donc toi tu as plus utilisé des Xavator. Plus Xavator pour Gecko Pogo principalement. Mmh. Après pour ce qui est tortue, bah, c'est dans l'eau. Voilà. Dans l'eau avec du sable, et puis voilà. Donc, D'ailleurs je vois que t'en vois pas de sable. Non, j'en vois pas. Bon après pour le sable, petite astuce, hein, Castorama, un sac de 35 kg, c'est 4 euros. Et en granulométrie 0,2 ou 0,4, ça fait l'affaire et il y a de quoi stocker. Donc ça c'était la petite pour astuce. Pour les tortues. Pour les tortues aquatiques principalement. Tortues aquatiques. Préciser que c'est pour les tortues. Voilà. Pas de sable pour le Gecko ou le Pogo. Hein, ça c'est... Non. Voilà. Ça avait, il y a des risques d'occlusion à éviter. Donc bon, pour le Gecko on peut utiliser ça. Ouais, mais j'ai déjà utilisé. Parce que j'ai testé. Plus sur les cachettes, non? Non, on humidifie légèrement. Ouais. Façon, après, ça sèche, de toute façon, c'est pas trop. Oui, ça va sécher d'ailleurs. Après, ça fait la taille. Il peut l'ingérer, de toute façon, c'est pas trop. C'est du mûle de coco. On voit que c'est vraiment tout petit. C'est plus petit que de la terre. Donc, oui, il va en avaler, mais il va le ressortir en même temps. C'est moins dangereux. Il reste toujours. On a toujours du risque, bien sûr. Oui, le risque zéro n'existe pas. Mais il y a moins de risque avec ça. C'est moins risqué que du. Bon là ça fait un peu brique de construction, mais parce que c'est compressé. Mais une fois que pas compressé, oui, ça fait beaucoup. Bon, l'humidifier légèrement, faut légèrement l'humidifier. Légèrement humidifier, le fractionner, bien sûr, et puis après le disposer. Puis après, quand c'est sec, on peut même le passer au tatami pour enlever tout ce qui est trop gros, on va dire. Voilà, puis garder le substrat. Juste le plus fin possible. C'est ce que j'ai fait sur du Gecko. Oui, ça permet de garder un peu plus de. Et l'ingérer, il digérait très bien. Bon, voilà. Après, le risque zéro n'existe pas, mais c'est, on voit qu'il y a une possibilité pour un aussi. Autre que le sable. Bon, par contre, pour un grand terrain, un petit briquette comme ça existe en plusieurs briquettes. Ouais. Enfin, t'as plus grand, je pense, non On peut l'avoir en 4,5 kg. En 4,5 kg, donc oui, il y a de quoi vraiment. Comme ça, déjà, ça fait. Bah, vu que ça va se détendre un peu en humidifiant, tu vas gagner. 3-4 litres. Ça fait 3-4 litres. 3-4 litres, voilà, il y a de quoi faire ça un petit terrain. Un bon terrain, quand même. Voilà. C'est un compte, après les. Un bon terrain de 60 par 40, quand même. Voilà, ça fait quand même un terrain moins peut-être un peu plus. Après, c'est moins une certaine couche. La couche, mais bon, on n'a pas besoin. On va pas mettre non plus. C'est pas fouisseur, Gecko. Enfin, on parle du Gecko là, mais après, ça peut être utilisé pour d'autres aussi. La dendrobate. La dendro également. Mais... Ça peut être pour n'importe quel. Voilà. Bien sûr, bon, pas se fier forcément aux animaux qui sont mis sur les affiches. Hein. Ça, c'est juste du packaging. Hein. Voilà, il pourrait vous mettre un éléphant aussi s'il le voulait, ça ferait pareil. Voilà, il faut juste se renseigner auprès des passionnés qui vont vous dire quel substrat utiliser, quel est le mieux, qu'ils ont sur leur vécu.
de problèmes, par exemple. Il y en a qui vont avoir du problème, par exemple, avec de l'excavator, d'autres qui vont en avoir avec, avec celui-ci. Bah, disons que là, voilà. Ça, je suis sérieux. Hein. Voilà, après, c'est... Il y en a qui peuvent avoir plus de soucis avec un plutôt que l'autre. Après, il faut savoir trancher et puis au pire, essayer soi-même. Voilà, après, bon, faut pas mettre en danger la bête non plus. Hein. C'est clair qu'on peut mettre du copeau pour une tortue, sachant qu'on sait qu'il y a occlusion à 100%. Donc voilà, après faut savoir aussi se maîtriser, puis connaître avec les passionnés ce qui a été tenté, ce qui n'a pas été tenté, leur ressenti, leur expérience, et eux ils seront motivés. T'as tout dit. Voilà. Autant faire une synthèse, c'est bien, surtout sur les substrats, parce que les substrats. C'est ce qui est le plus important. Bah, c'est ce qui est le plus important, mais c'est ce que personne ne sait. Moi j'ai testé du, comme tout le monde, du papier journal, et. Ah bah, papier le journal, lino. Le lino, tout ce qui et est. Je suis revenu à l'aise médicale également. À l'aise médicale. Alors, bon, je n'ai pas testé l'aise médicale, mais je suis revenu. J'ai testé l'aise médicale, c'est vraiment pratique aussi. Pratique, je suis revenu, franchement, je suis revenu à la semaine parce que bah, les serpents, ils adorent. Ils sont... Voilà, pour du serpent, tu peux rester dessus. Après, pour d'autres types, ouais, tout type d'animaux, il faut savoir bien choisir le bon. Enfin, c'est... Oui, forcément. Voilà, l'expérience des passionnés aide à ce niveau-là. Donc, après, pas le premier cycle du pilier, mais savoir faire un condensé. Je suis revenu à la semaine parce que. Bah, la semaine, beaucoup reviennent dessus, hein, donc c'est peut-être le meilleur substrat présent pour le serpent. Après, il n'y a pas forcément un substrat. Il y a la ligne aussi. J'ai entendu parler aussi, alors j'ai jamais pu voir non plus. Enfin, je ne sais pas trop. Bah, c'est bien, c'est pour ça que je n'ai pas vu non plus. Ça sera dans le prochain. Les prochaines produits. Nouveautés ou nouveaux produits. Nous pourrons l'avoir en sac de 12 kg et en sac de 25 kg. De 25 litres. Donc oui, ça fait les petits sacs et gros sacs, c'est parfait. Voilà. S'il y en a qui veulent juste essayer, ils prennent un petit sac. S'il y en a qui sont convaincus, ils restent au gros sac. Voilà. Ça permet de stocker en plus. Puis comme c'est des sacs assez épais au niveau plastique, pour stocker, c'est pas pratique. Puis avec une poignée, ça c'est pratique. Quoi. Quand tu vas acheter en bourse, hein, la poignée, voilà. C'est super pratique. C'est la gamme Pro Rep. Nouveau sur le marché. Nouveau sur le marché, puis nouveau que tu fais depuis peu en plus. Oui, parce que bah, j'ai un exclusivité chez moi. Voilà, en exclusivité donc en France, on a ici à Unios Francette. Donc une petite exclusivité pour un vendeur qui n'a pas de boutique, c'est quand même pas mal. Voilà. Ça démarre plutôt pas mal. Donc quelque chose d'autre à dire sur les substrats. Bah, après, on a plusieurs différents formats quand même. On peut l'avoir pareil celui-là en 14,5 kg. Ouais. Mais t'as pas forcément tout en stock. Non, tu peux avoir sur commande. Mais il y a certains produits que ça peut prendre certains délais maximum. En commande en Angleterre, je sais pas. Oui, après, oui, c'est pas toujours évident d'être calé sur les. Voilà. Donc c'est maximum, enfin, ça peut monter même pas un mois maximum. Un peu moins. Donc voilà, c'est quand même, l'air de rien, assez rapide pour les produits que tu as pas en commande. Ça dépend des produits que tu veux spécialement. Oui, voilà, après, c'est des chieurs comme moi. Alors moi qui est chieur, j'ai réussi à avoir des produits rapidement. Donc ceux qui sont vraiment zen, je pense. Bon, après, quand je commande en Angleterre, faut savoir, faut que je fasse une grosse commande. Je veux pas faire une commande pour un produit. Ah, une commande pour un produit, oui, c'est clair qu'après, voilà, faut pas non plus ruiner la boutique pour un produit. Faut que ce soit aussi rentable pour toi que ce soit rentable pour ton acheteur. C'est surtout au niveau des frais de port. Voilà, les frais de port sont quand même très coûteux parce que oui, quand on commande, on paye les frais de port quand on commande, mais quand le fournisseur commande, bah, il paye aussi les frais de port. Hein. Ah, c'est pour son fournisseur. Et quand on commande en Angleterre, c'est pas donné. Ah, bah de toute façon, oui, tout ce qui est frais de port, là, il lâche pas l'affaire. Bon. Souvent, la société par laquelle on passe, le prix peut être plus ou moins élevé suivant le poids, suivant le nombre d'articles aussi, le volume. Donc, ça prend un peu de. Surtout là, pour du substrat, ça prend déjà quand même pas mal de volume et un peu de poids. Oui. Donc il suffit de commander 5 sacs et puis tu atteins déjà un bon point et un bon prix. Voilà. Donc c'est pas évident. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie substrat. Donc là on va passer à la partie décoration. Oui, décoration. Ok, bon bah c'est parti. On se retrouve pour la partie décoration. Bon bah nous voici pour la deuxième partie donc de la présentation Unios Concept. Alors là on va présenter tout ce qui est cachette, éléments de décoration. Une petite partie seulement, alors si vous voulez voir le reste, vous avez les bourses où il sera présent, ainsi que le site internet bien sûr, qui contient toutes les photos que vous voulez. Après pour plus de détails, vous avez juste à envoyer un petit mail et il vous donnera plus de détails sur le produit. Voilà. Donc là on va présenter principalement donc 5 cachettes, on peut dire ça comme ça, 3 gamelles d'eau et puis un petit peu de plantes. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ? On va commencer par cette petite cachette tranquille, simple. Oui, qui fait plus pour gigolo par petite. Pour juvénile, on bute tatar, une petite gutte. Oui, petite gutte juvénile également. Donc il fait roche, hein, bien sûr. Roche, on regarde dans l'autre sens aussi. On voit bien les ouvertures. Donc il y a 3 ouvertures. Hein. Il y en a encore derrière aussi. Là. Donc l'animal ne se sent pas oppressé parce que bon, il peut rentrer ou sortir de n'importe où.
Donc ça fait assez naturel quand même. Ça fait assez naturel, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, ça fait très rocher, c'est vrai que c'est vraiment pas mal fait. Donc, cette cachette là qui est plus pour les Leggy Colop, hein, avec le couvercle. Bah, très pratique, hein. Donc il y a l'ouverture qui se fait là, hein, pour rentrer, pour que l'animal rentre, et puis nous on peut l'observer en ouvrant directement. Hein. Donc ça peut servir également pour les pompes de Gecko Léopard, hein, techniquement. Oui, boîte à pompe, boîte à mu. Voilà. Alors moi quand je possède un modèle similaire, elle rentre facilement à deux, voire mes trois femelles rentrent dedans. Hein, donc, sans forcément être tassées, il y a assez de place dedans, il n'y a pas de bagarre, tout se passe très bien. Ce qui est bien c'est le côté angle, ce qu'on peut mettre dans l'angle d'un terrain. Alors moi ce que j'ai fait dans un des miens, c'est qu'avec le même modèle, hein, j'ai mis dans l'angle mais surélevé, avec des pylônes en excavator, comme ça ça fait double cachette, en haut avec celle-là, et en bas avec l'excavator et le fond de celle-là. C'est une possibilité pratique aussi. Enfin, chacun fait comme il veut. Voilà, chacun fait comme il veut, oui c'est clair. Après le but, voilà, c'est que l'animal puisse se sentir en sécurité. Après, genre la cachette, le petit bonbon. Bonbon à deux ouvertures, t'es à deux ouvertures. Quand même, je dirais plutôt 4 ouvertures. C'est bien. C'est juste pour faire un tunnel de passage, entrée-sortie. Pour le permettre de se balader un petit peu. Voilà. Donc, ça peut être pratique pour du Gecko Léopard, bien sûr. Toutes ces petits reptiles, tout ce qui est petit reptile. Voilà, même le ciliatus aussi. Oui, le ciliatus. Que ça fait en plus, c'est le bambou peut être servi comme du vertique, comme du tropical. Voilà, c'est vraiment très pratique, ça d'ailleurs. Voilà. Très pratique. La fameuse demi-coco. Ah, la coco, bien sûr, bien connue des terriophiles, hein, bien sûr. la valeur sûre, hein, on va dire. Voilà, hein. Qui est bien pour l'idéal pour du petit juvénile, on va dire. Du petit juvénile, après, même un adulte qui veut se planquer, juste planquer. Bah, mais un adulte. Mon Gecko adulte rentre dedans. Ils sont un petit peu enroulés. Après, il y a différentes tailles aussi en coco. Il y a des plus grandes que ça. Après, ça dépend de la taille. Il faut bien sûr adapter la taille de la cachette à la taille de l'animal, bien sûr. Voilà. En fait, c'est une toute petite. Bien sûr, ni à grillons, hein, faites attention, hein, parce que les grillons ils montent sur le plafond et puis ils ressortent par les trous, hein, donc faites attention. Et nous avons les fameux box. Les box, alors ça c'est plus utilisé par les serpents. Serpents. On peut utiliser pour d'autres, mais c'est vrai qu'on voit plus côté terrafilie, on voit plus côté serpent. Serpent, on va voir plus qu'on met dans le rack. Oui, c'est plus utilisé au rack. Après, t'as différents aussi types de modèles, t'as plus petit comme plus grand. Donc, beaucoup plus grand aussi. Voilà, parce qu'après, il faut adapter bien sûr à. Trois fois plus grand. Ah oui, trois fois plus grand, c'est quand même une sacrée taille. Hein. Enfin, un sacré rack aussi. Hein. Voilà. Donc, ça sera plus dans du terrarium pour du gros serpent. Voilà, ou du très gros rack. Mais bon, après, voilà, ça sert d'avoir un gros rack quand on peut avoir un gros terrarium. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est voilà, ça existe en plusieurs modèles, en plusieurs, tailles surtout. Plusieurs coleries aussi également. Hein. Bon, même si ça sert pas à grand chose forcément. Bah, oui, ça sert pas à grand chose. On est plus adepte de la couleur noire qui est plutôt. Sombre. Plutôt sombre, qui est plutôt. Enfin, pour un reptile, c'est apaisant pour le reptile. C'est vrai qu'il est apaisant parce qu'il voit moins. Bah, il voit moins, voilà, il est dans le noir. Voilà, c'est le côté plus sympa de cette couleur là. Après, il y a deux couleurs pour ceux qui aiment toutes couleurs. Donc, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Voilà. On va commencer par les gamelles d'eau. Ah, gamelles d'eau, alors là t'as plusieurs types de modèles différents, donc ça c'est vraiment la grosse gamelle d'eau. La grosse gamelle d'eau, c'est à peu près 30 par 30. 30 par 30, ah oui, ça fait. Oui, c'est, bah là c'est plus pour du gros serpent. Un bon petit réjus, voire pour l'inventaire, une petite butte aussi. Une petite butte là-dedans. Non, c'est un peu grand, mais. Un peu grand, oui. Une belle butte. Oui, ça, oui, une belle butte. Il y a des buttes adultes. Oui, des belles buttes adultes, ouais, pour juvénile. Voilà, juvénile, il y a un risque. Oui, voilà, l'adulte. L'adulte, précise. Précision. Donc, 30 par 30, ça fait quand même une belle gamelle. Hein, voilà, donc, ça fait une belle gamelle. Après, voilà. Bah, les gamelles, j'ai envie de dire classique aussi, parce que c'est celle qu'on trouve le plus. Zoomer en plastique. Voilà, bon, mais sûr, là, c'est un coloris qui s'adapte pas forcément trop au décor, on va dire. Non. Mais à part si pour du désertique un peu australien avec la terre un peu rouge, enfin, ça veut dire argileuse un peu rouge, quoi. Mais sinon, oui, après, t'as plusieurs coloris ici également pour celle-là. Voilà, il y a plusieurs coloris. Et donc, là, c'est la dernière, c'est un peu, donc, un peu racine en fait. Racine d'arbre, ouais, mais en angle. Pareil, en angle, ouais, voilà. Même c'est... système que celle-là, sauf qu'elle est en angle. Voilà. Et plus rocher, arbre, ouais, racine d'arbre. Racine d'arbre, ouais, alors que là, ça fait plus rocher. Alors, t'en avais d'autres modèles, enfin, l'autre modèle que je t'avais acheté, donc lui, il était plus arbre aussi, donc ça aurait bien collé avec les dents. Celle-là, parce qu'elle est beaucoup moins chère, quand même. Oui, elle est beaucoup moins chère que l'autre, c'est clair. Et pareil, ouais. C'est vrai, t'amèneront en forme rocher qui seront beaucoup moins chers. Oui, donc ça va pouvoir s'adapter avec celle-là. Voilà, et faire un côté rocher. Voilà, ça sera plus rocher. Mais l'angle, c'est vrai que c'est très pratique. L'angle, ça permet à la gamelle déjà de pas trop bouger. Voilà. Bon, avec du moins de place ou des petits. Oui, il y a plusieurs tailles différentes. Avec des serpents qui passent en dessous principalement, vu que ça fait l'angle, ça va se caler et ça bougera pas forcément. Puis ça doit faire un peu de poids. Donc
le serpent aura du mal à la soulever. Voilà. Donc c'est le bon côté positif, on peut dire, de voilà, ce genre de gamelle. Voilà, puis ça prend pas de place. Ah bah vu que c'est dans l'angle, c'est, là c'est, on met, il y a beaucoup, quand on regarde, de cachette un peu bah, en forme rond, là aussi c'est un peu rond. Mais sinon, voilà, gamelle c'est rond aussi, oui. Il y a très peu de formes qui vont dans les angles. Et c'est pratique ce genre, voilà. Genre d'article, en fin de compte. Parce que ça permet justement de combler les angles. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Après on va passer aux plantes. En plantes, donc on n'a pas grand chose. Hein. Pas grand chose, on part sur la fougère. Petite fougère, alors t'en as d'autres différentes, hein, bien sûr, t'as pas forcément que de la fougère comme ça. Non, mais ça c'est parce que voilà, c'est. Là on peut, voilà, on peut l'étaler un peu comme on veut en plus, c'est un petit fil de fer, c'est ça dans la plante qui permet de placer. Voilà, pour ça. Voilà, donc on peut le placer pour. Après on fait comme on veut. On peut le placer, voilà, on peut le placer comme ça, sauf pour du gécolopard qui se cache en dessous, on peut le cacher. C'est l'avantage. Voilà, c'est modulaire. Même pas que du gécolopard. Hein, oui, mais après, sur de, pour le voilà. Qui se cache en dessous, voilà, là tu peux le mettre en hauteur aussi. Ça, ça donne un aspect. Ouais, ça peut faire vraiment des bons trucs et c'est modulable, donc c'est vrai que c'est très pratique, voilà. Quoi. Et ça, c'est Exoterra, donc qui fait ça, ils en font d'autres modèles, hein, pas forcément de la fougère. Ouais, hein. Moi, c'est pas ma, voilà. Ma marque de prédilection, oui. Bah, en termes de décor, à ce niveau-là, plante, après, bon, côté tissu, bon, c'est vrai que ça rend un effet naturel, mais après, est-ce que c'est une bonne chose au niveau des espèces qui sont plus végétariennes, j'ai envie de dire, parce qu'ils vont croquer le plastique, donc c'est pas fort, ils vont penser vraiment à une plante. Donc c'est pas, enfin, c'est le côté qui est pas franchement, enfin, moi, à mon niveau, par expérience. Et après, nous avons donc ça, c'est des plantes qu'il y a, donc, tout simplement, donc d'Exoterra. Alors, moi, je t'en avais acheté, hein. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que tu les as. Hein. Ouais, déjà. Très pratique pour les tortues africaines, pour dire, une tortue de 21 cm, elle se cache dedans, hein, donc une tortue aquatique bien sûr, elle se cache dedans dans l'eau, donc voilà. Comme quoi ça se développe bien. Après pour certaines espèces tortues donc aquatiques, je parle de tortue parce que c'est pour ça que j'utilise, une tortue aquatique qui sont végétariennes, elle peut utiliser parce que comme c'est des feuilles en tissu, elles vont croquer les feuilles et elles vont voir, c'est pareil. Mais ça, voilà, ça va finir dans un sale état quoi. Donc on va prendre du plastique pur ou autre chose. Mais sinon pour les tortues qui sont principalement carnivores ou omnivores à tendance insectivore ou carnivores, c'est voilà, c'est l'idéal, pas pour les herbivores. D'accord. Voilà. C'est le plus sympa. Mais c'est vrai que c'est très pratique. En plus la petite ventouse derrière permet de coller à la paroi. Alors, on peut le coller à l'intérieur de l'aquarium comme le coller sur l'extérieur, passer la baguette et le coller sur l'extérieur, etc. Non, je n'utilise pas, c'est vrai que toi. Mais ça, je l'utilise, c'est vraiment très pratique. Donc c'est le bon côté pratique. Après, c'est un petit tropico, par exemple, du Coralophus, Syngatus, pour cacher les parois, ça peut être pas mal, il se plante dans les feuilles. C'est pas obligé de faire toujours un terrain planté naturel. Bah, un... Le planté restera toujours mieux. Hein, ça, ah oui, mais bon. C'est le obligé de aussi dans le plastique pour éviter de... On peut pas toujours faire du planté, c'est ça le truc. Donc le planté, après, c'est ce qui est bien, c'est que terrariophilie, c'est le but, c'est recréer un biotope. L'idéal c'est de le recréer à 100%. Bon, on ne pourra jamais vraiment à 100%, mais on retire les prédateurs quand même, l'air de rien, on ne va pas laisser dans le terrarium les prédateurs. Voilà. Mais au niveau plante, on peut se permettre maintenant, avec notamment Bourbon Nature et bien d'autres, de pouvoir créer avec eux. Ils peuvent nous montrer quelles plantes utiliser pour tel animal. Ils donnent des conseils. Ils donnent de très bons conseils aussi, ils sont très accessibles. Donc c'est vrai qu'autant faire du planté, c'est beaucoup. Ouais, autant c'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais après, en alternative, si on ne veut pas se prendre la tête avec du planté, oui, en alternative, nous avons ces plantes-là. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas se fâcher, ils n'ont pas la main verte, on va dire. Ça arrive. Tel est mon cas, d'ailleurs, malheureusement. Mais après, c'est chacun son choix. C'est libre au choix. Voilà, chacun décide vraiment de faire ce qu'ils ont envie. Voilà. Vous visez le bien-être de l'animal en premier. Tout à fait. Le bien-être et pas penser forcément à l'argent, toujours au bien-être de l'animal. Du plastique que ça viendra moins cher que du naturel, vice versa. Sur le long terme, si on n'a pas la main verte, ça viendra forcément moins cher. Mais au final, pour l'animal, qu'est-ce qu'il va voir? Il verra la différence. Donc, il sentira mieux. Voilà, il sentira vraiment pas comme chez lui, parce que c'est pas vraiment comme chez lui, mais il se sentira un peu plus au naturel, on va dire. Voilà. Bon, donc là on a fini donc la partie déco, donc il nous reste quelle partie de la partie éclairage tout simplement éclairage et alimentation. On fait les deux thermostat maintenant. On fait éclairage, thermostat, alimentation en même temps. Bon on se retrouve pour la partie éclairage, alimentation et donc les thermostats. Voilà. Bon donc voilà donc pour la suite, donc on va parler donc de l'éclairage, thermostat ainsi que de l'alimentation.
Donc bah déjà on commence par l'éclairage donc, que tu nous proposes. Donc, je propose la gamme de Solaraptor. Solaraptor, donc tu voilà, proposes tous les wattages. Hein, donc, ouais, tous les wattages. Avec 35, 70. 35, 70, oui, il y a aussi de 50, il y a aussi du 100. Ouais, du 100 et du 80. Ouais. Du 80 également aussi. Après il faut faire attention au. Voilà, qu'il faut, tu proposes aussi les ballasts aussi également. Ouais, sur commande. Sur commande, voilà, oui, pas... parce que ça fait quand même un coup aussi. Les ballasts de la marque, bien sûr, Solaraptor. Ouais, Solaraptor. Voilà. Donc après, c'est de la lampe vraiment haut de gamme. Ouais. Donc tu n'utilises pas pour les serpents, donc c'est un peu normal. Il n'y a pas besoin. Le Gécoléopard, pas besoin. Après, pour les tortues, personnellement, moi, sur les africaines, j'utilise de. Les africaines et asiatiques, j'utilise de la 50 watts. Les américaines, de la 35 watts. Donc j'ai des très bons résultats, notamment avec la petite Moremi Sinensis que j'ai actuellement. Où j'utilise donc bah là je filme, normalement je devrais utiliser de la 50 watts mais j'utilise une 100 watts pour rattraper un peu le retard qu'elle a eu et j'obtiens de très très bons résultats donc c'est grandi, elle mange très bien, elle grandit très bien, elle se développe donc c'est vraiment une lampe qui déjà qui a sa réputation, il faut dire ce qu'il y a et qui a plus ses preuves à faire. Voilà, tout est déjà fait. Bon, il y a d'autres marques qui existent que tu fais pas forcément ou peut-être sur commande, pas forcément, mais enfin il y a d'autres marques qui sont quasiment équivalente à Solaraptor également, faut le rappeler, hein, ils sont pas les top sur le marché. Ils sont aussi bien. Les JBL se rapprochent de plus en plus. Oui, est-ce que j'ai pu voir ces derniers temps. Un peu plus cher, mais. Un peu plus cher, mais bon après voilà, c'est. Bon, Solaraptor reste quand même la référence. La référence. Voilà. Mais c'est des très bonnes lampes. Donc après, thermostat. Ouais, alors thermostat, pas sur les lampes, hein, bien sûr, un thermostat, parce que ça va nous faire éclater les lampes. Hein. C'est. Ouais. C'est... Je propose la Vista. Ils ont plus leur réputation à faire aussi, hein, tout est déjà fait. Donc, on a les digitales et puis les classiques. Hein, voilà. Donc à utiliser sur câble chauffant ou les tapis, bien sûr, voilà. Tapis que tu proposes aussi. Aussi de différentes tailles. Voilà, donc différentes tailles, différents wattages, donc très pratique. Hein, enfin, attention, les classiques, on va dire, sont garantis 5 ans. Voilà. Constructeur, C'est une bonne garantie. Une bonne garantie, puis ils ont plus leur preuve à faire non plus. Voilà, surtout que voilà, après, toi, dès que tu l'as vendu, s'il y a besoin par exemple d'un support technique derrière, tu es là, notamment, tu as aidé un client récemment pendant une heure à installer un thermostat digital. Un digital pendant une heure, donc c'est pas forcément tous les vendeurs qui seraient là. Il faut savoir que maintenant, tout thermostat digital, il y aura la. Tu auras la notice avec, justement, pour voir. Notice, justement, n'y était pas. Elle était pas, ça c'est bien dommage. C'était bien, ouais, comme on dit, c'est bien dommage. Alors, moi je fournirai à chaque fois. Là. Voilà, comme ça il y aura forcément une notice avec, et c'est le côté pratique de la chose. Hein. Il n'y a pas besoin forcément d'appeler pour savoir, même si tu es toujours dispo au cas où. Pour dépanner un client. Je suis toujours là. Voilà, c'est le côté passion qui prend le dessus. Voilà. Alors là, c'est que des simples les deux, mais tu as aussi en double. Ouais, j'ai en double, là je présente que des simples, j'ai un twink en bout. Voilà, comme ceux que tu présentes ici. Là, donc, deux thermostats. Là, on peut voir, donc ça, c'est deux thermostats. Hein. Ça gère deux sondes différentes. Deux sondes, donc ça gère deux terras différents. Ouais, il peut gérer plus parce que là, il gère un peu plus, mais. Ouais, voilà, bah, après, ça dépend de ton installation. Ouais, par rapport à l'état des animaux. Ouais, voilà, c'est. Comme là, ici, il règle les 4 premiers racks. Ouais, c'est suivant le wattage que tu veux. Ça va jusqu'à 600 watts. Voilà. Donc c'est vrai que c'est le côté pratique. Ceux-là sont garantis un an. Un peu moins que. Garantis un an, mais bon, en un an, on a le temps de voir les problèmes qui arrivent. Voilà. Donc voilà, un peu plus cher aussi, puisque c'est digital, bien sûr. Oui. C'est le côté logique de la chose. Hein. Mais bon, c'est une très bonne marque. Alors moi, à la maison, j'ai pas un digital, j'ai juste un le classique, le Maxstat. J'ai deux simples qui sont vraiment très pratiques. Hein. J'ai pas de problème dessus, le réglage est facile. Petit tournevis, c'est le seul regret que j'ai sur ça, c'est le petit réglage qui faut un tout petit tournevis. Voilà, tout tournevis, mais un petit couteau bien pointu. Voilà, ça se trouve facilement. Ouais. Si on a une cuisine, que tout le monde, j'espère, a une cuisine, c'est facile à trouver. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Alors là, on va passer alimentation. À l'alimentation. Alors, là, il y a de la nourriture pour insectes. C'est que pour insectes. Donc ça c'est de la nourriture insectes. On peut l'utiliser humide ou sec. C'est quoi? C'est de la poudre en fait. C'est de la poudre. C'est de la poudre. C'est de la poudre qu'on peut utiliser en version gel en fin de compte en mettant avec de l'eau. Non, on peut même pas en gel. Ça fait une pâte comme le respachi, on va dire. Ouais. Pour les râteaux. Ouais, c'est à peu près même. Voilà, c'est le même genre. Sauf que c'est 100% naturel. Voilà, et ça c'est 100% prévu pour les insectes. Voilà. Pas pour les reptiles, juste les insectes. Juste les insectes. Voilà, et donc là on en a quand même deux autres, c'est prévu donc pour. Là c'est pour les reptiles. Là c'est pour les reptiles. C'est calcium, la vitamine en poudre donc. Pareil, 100% naturel. Donc fait par Arcadia bien sûr. Arcadia.
Donc c'est nouveau, ça, avant tu ne l'avais pas Non, je... C'est nouveau dans ta gamme en fait. Ouais, c'est nouveau. Voilà. Et les verts et rouges, c'est une différence entre le... Alors le vert c'est le calcium, ouais. Et le rouge c'est la vitamine. Ok. Donc pareil, après, 100% naturel. Après oui, enfin, les vitamines sont quand même utilisées en petite quantité on va dire, parce qu'on peut utiliser quand même des produits frais, hein, c'est mieux pour... Enfin, pour certains animaux, c'est mieux. Pour les, c'est plus pour les insectes. Après, tout ce qui est vitamines, c'est par exemple si on a un animal un peu en difficulté, il faut faire ce qu'on appelle le retaper, rajouter un petit peu de vitamines, ça peut être pas trop mal. Après, il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas trop de D3, hein, bien sûr. Non, il y a fait ça. Non, il n'y a pas de D3, donc ça c'est une bonne chose déjà. Là c'est que de la vitamine. Pas de vitamine D3 dedans. C'est plus pour les tortues. Voilà. Bah, ça peut servir pour les tortues, pour gaudin, comme on peut le voir. Ça peut servir pour différents reptiles, quoi. Voilà. C'est plus du global en fait. Voilà, du global. Du global. Mais bon, après les vitamines. Tout ce qu'on étudie. Pour ceux qui ont déjà un UV. Voilà, tous ceux qui ont un UV plutôt réduit ou qui ont un peu mal en point. Voilà. Après, pour tout ce qui est UV, si on a une seule raptor, du calcium simple suffit. Hein. Voilà, ça c'est largement suffisant. Mais un animal peut être en difficulté et avoir besoin de vitamines. C'est tout comme bon d'en avoir quand même sur toi. Enfin, sur soi, ou chez soi. On fait aussi la gamme Rispachi. Ouais, donc t'as plusieurs types. Ouais, type là, on fait de, le fruit le mango, le. T'en as pour j'ai collé au bar aussi, j'ai vu ça la dernière fois. Je en calcium. On fait le Grumpy aussi, c'est le Grumpy, c'est un Grumpy, c'est tout récent en plus. Ouais, c'est Grumpy, c'est assez récent. C'est pareil, un petit gel qu'on fait pour des animaux, pour retaper, c'est un petit oui, gel. Oui, c'est du gel qu'on fait et qu'on peut conserver un petit peu plus longtemps. Disons que ça se garde peut-être 2-3 jours. 2-3 jours au frais. Ouais, c'est. Maximum. Mais faut pas en préparer une tonne non plus. Ah non, juste un tout petit peu. C'est juste pour vraiment. Ça va requinquer quand même. Voilà, par exemple, une femelle. L'animal tous les 2-3 jours, on peut le préparer de repas. Hein. Voilà, une femelle qui est en pleine période de reproduction. Ah oui, ça peut la booster. Ça peut la booster un peu. Lui donner le poids suffisant qu'il faut pour sa ponte. Ou même après sa ponte. Ou même un gecko qui a du mal à se réalimenter. Oui, ça peut lui redonner envie, lui donner l'appétit. Voilà. Ouais, donc c'est un produit aussi qui a fait ses preuves hein, d'ailleurs. Ça se vend partout, ça s'arrache partout, ça peut dire aussi. Hein. Donc, produit de valeur sûre. Et ça, c'est un autre produit donc, du calcium avec des D3. Avec des D3. Voilà. Donc la D3 consommée avec modération. Hein. Si vous trouvez modération, vous m'appelez. Donc du calcium donc. Avec D3, ça va du Nutri-Rep. Alors c'est une gamme que je connais pas du tout, c'est une nouvelle gamme ou... Bah moi chez moi c'est nouveau mais il me semble que je l'ai déjà vu en France mais... Parce qu'on ne connaît plus le calcium de Zomel, etc. Mais c'est vrai qu'une Nutri-Rep... Ah c'est de la gamme, si je me trompe pas, Python. Python. Ah oui donc oui c'est une gamme spéciale qu'ils ont fait. Python. Voilà. Mais voilà donc avec la D3 faut quand même y aller doucement. Moi. Voilà. Il y a de la bêta-carotène dedans. Pas la couleur. Donc ouais, c'est un bon calcium. C'est un calcium. Il faut savoir que de qualité, 3 quarts mais D3, fais attention. Voilà. Tu l'as pas sans D3. On peut l'avoir sans D3. On peut l'avoir sans D3, donc voilà, c'est une bonne chose aussi. Il faut savoir que les 3 quarts des produits que je vends, je les utilise quand même. Bah, c'est mieux quand même de savoir ce qu'est le produit. Donc, tout ce qui est tapis chauffant, ça j'ai pas utilisé encore parce que c'est nouveau. Puis c'est la raptor que tu n'utilises pas, mais tu connais des gens qui l'utilisent qui ont fait longtemps. Ça pue, c'est la renommée là, quoi. Après, c'est... Voilà. Donc après, pour utiliser ça, l'idéal, c'est d'avoir quand même des petites coupelles. Avec un support pour coupelles, bien sûr. Support pour les petits pots de jelly. Voilà, c'est un support avec deux trous donc pour mettre les pots, puis des ventouses pour accrocher sur le terrain en verre. Terrain en verre ou bien sûr les vitres en aquarium UV si on veut. Donc un Mertec sur la vitre aussi c'est plus pour des reptiles qui peuvent frugivores plus sur ce qui peut grimper en hauteur du comment ça arboricole arboricole cherche un nouveau je le trouvais pas nickel. Donc c'est plus pour ça parce que c'est vrai qu'après si on met ça pour une tortue ça c'est vraiment nouveau on en voit pas beaucoup à part la gamme on voit toujours la même gamme qui est Exotera ça c'est et là c'est nouveau c'est beaucoup plus simple c'est plus simple moins cher aussi certainement moins cher moins esthétique c'est c'est sûr mais tout aussi efficace voilà tout simplement le principal c'est que le c'est que l'animal puisse puisse avoir sa dose en fait de nourriture qu'il faut et puis voilà quoi puis on peut mettre un petit pot avec seulement de l'eau et de l'autre côté du calcium ou il y a des possibilités.
Par contre, les pots qui sont avec. Les pots de jelly rentrent facilement, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Mais si tu veux mettre par exemple de l'eau ou autre chose, tu es obligé de trouver un pot qui rentre dedans. Bah, un pot de jelly, quoi. Ah oui, reprendre un pot de jelly, nettoyer, voilà. C'est le seul moyen, il n'y a pas de pot spécifique qui est vendu. Là, on va rentrer bientôt prochainement un nouveau produit, un peu plus grand. Avec des gamelles dedans, avec des gamelles un peu plus larges. Ah, des gamelles donc déjà présentes ou juste dedans, ouais, présentes dedans. Voilà, donc ça permet plus de. La gamelle d'eau, puis les gamelles pour mettre la nourriture dedans. Voilà, ça permet une meilleure utilisation, puis plus de possibilités. Donc, quand ça sera disponible, je peux pas te dire. Parce que ça... Ah, bah ça, de toute façon, on verra avec c'est le temps. Pareil, donc, c'est pareil, quand c'est encore dans l'étranger. Bah, c'est les temps que ça arrive, on verra avec le temps. Ouais. Mais déjà, c'est quand même un bon produit. Déjà, voilà, c'est... Bon, c'est pas une valeur sûre, on va pas dire ça non plus, mais c'est l'autre produit est déjà bien utilisé, donc pourquoi celui-ci ne le sera pas non plus. Voilà. C'est aussi simple. L'idéal qu'il soit simple comme ça lui permet aussi de se cacher dans les, dans les plans de décoration. Puis c'est constant, on va pas, il va pas être gêné. Ah non, ça c'est. Il verra bien le contenu, donc il verra s'il en reste, s'il en prend. Voilà. Tant qu'il mange. Donc voilà, c'est un truc simple mais efficace. Voilà. Voilà. Donc maintenant il nous reste à présenter les soins qu'on verra bien sûr après. Mais avant on a un kit juvénile que tu fais. Voilà. Donc on va présenter le petit kit juvénile, puis on dit à tout à l'heure. Donc nous voici pour la suite pour le kit juvénile bien sûr. Hein, donc alors kit qu'on voit pas forcément, enfin on en voit quelques-uns, mais kit plus petit, mais là c'est un kit donc bien sûr beaucoup plus grand. Hein, oui, la boîte fait 48 cm de long, ouais. Par 31 de large et puis 18 de hauteur. Oui, 18 de hauteur, donc pour du juvénile, ça passe très bien. Même un peu plus grand quand même. Voilà, ça laisse une bonne marge, on va dire. Voilà, ça laisse une marge, surtout quand on a une petite gutte à ta. Bon, petite gutte. Voilà, puis pour la quarantaine, c'est pratique. Ouais, ouais, aussi, bon, aussi c'est ça. C'est dire qu'on va acheter ça, ça va très bien après, non? Non, ça sert toujours. Ça va toujours servir pour justement pour la quarantaine. Voilà, une petite quarantaine d'un animal qui arrive. Même quand l'animal arrive lui-même, on a pas acheté un kit. Oui, ça évite d'investir. Alors, ça se prend seul ou en kit, mais voilà, après quand c'est notre premier animal, un kit, c'est quand même important. Ça évite d'acheter tout de suite au terrarium. Ça monte vite l'intérieur, faut acheter le substrat, faut acheter tout ça. On peut avoir tout ça dans un kit. Bon, le substrat, faut quand même le changer régulièrement. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'un terrarium, si on débute en terrariophilie, qu'on n'est pas sûr de vouloir poursuivre, qu'on est peu hésitant, ouais, ça peut être une solution alternative. Même s'il faut être vraiment sûr de ce qu'on veut quand on achète un animal. Faut pas prendre à la légère non plus. Mais pour démarrer, ça peut être vraiment pas mal. Donc, pas pour tout non plus. Éviter de prendre ça pour une tortue terrestre, ça sert à rien. Une tortue aquatique d'ailleurs. Donc là, ça c'est pour tout ce qui est donc dans ton kit juvénile, donc ça comprend donc un tapis chauffant. Voilà, de 20 par 20. De 10 watts. Voilà, qui correspond en fin de compte à la taille de ça. Quoi. Voilà, juste. À limite, un petit tiers. Un poids chaud. Voilà. Un poids chaud, poids froid, voilà. Donc un petit tapis chauffant. On va commencer par le substrat. Les substrats, voilà. Là, on a de l'aspen, forcément. Voilà, logique. De la tourbe. Voilà. De la rafle de maïs. Et une brique de coco. Ouais, donc voilà, donc c'est au choix, c'est soit au choix. C'est pas tous en même temps, c'est l'un au choix. Donc, tout dépend de l'espèce qu'on a. Voilà, tout dépend de l'espèce qu'on a. Et là, j'ai pas dit, mais on a moins. Avec ceux-là, tout, on a de la mousse. La mousse en plus, voilà. Donc, on a un paquet de pour le côté tropical, en fait. Ouais, plus pour le côté tropical. Voilà. Donc c'est vrai que c'est avoir le choix, c'est bien, parce que souvent les kits qu'on voit, c'est des kits déjà préfaits. Ouais. Comme on voit beaucoup sur les kits tortues de marque The Med, on va pas les cacher. Hein. Ils font des kits, mais tout le matériel est dedans, même s'il y a des trucs qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a pas envie, qu'on trouve ça pas adapté. Là, on a le strict minimum pour débuter. Voilà, là on a. Pas besoin d'investir dans un thermostat, déjà d'une, parce que le tapis est trop faible. Trop faible pour pouvoir. Voilà, même en cas de court-circuit, il n'y a pas de problème dessus. Au pire, si on met une multiprise qui a un disjoncteur déjà dedans, comme ça existe, non, pas de problème avec ce genre de tapis. Donc c'est vrai que c'est. Moi, j'ai ces tapis-là, je les utilise depuis 3 ans déjà. Voilà, donc aucun problème depuis. Voilà. Non, j'ai jamais eu de problème. Après, forcément, la petite cachette, toujours la fameuse coco. La classique, il faut bien démarrer avec quelque chose, autant démarrer par les classiques, pour tout le monde a tout démarré. Hein. Et donc, une petite gamelle aussi. En forme d'haricot. Voilà, forme d'haricot bien sympathique. Ouais. Esthétiquement parlant, c'est pas comme les autres qu'on a vu tout à l'heure, mais ça reste dur. Peut-être à l'avenir, ils changeront. Parce que c'est sûr que. C'est après, oui, c'est du. Oui, ils changeront. Ils changeront, on finira le stock. Ouais, après il y aura peut-être plus de choix peut-être. Pas de choix forcément, une autre forme, côté naturel. Plus naturel, voilà. Bon, c'est toujours d'améliorer, c'est le but. C'est le but avec les retours, bien sûr, si vous avez acheté un kit juvénile, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, bien sûr. Ouais, c'est surtout ça, c'est que savoir les retours derrière.
de base, principalement. Voilà, histoire de satisfaire un peu dans l'ensemble la plupart des espèces. Voilà. Après, voilà, c'est. Bon, ça arrive déjà évolutif sur le substrat, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, pour toutes les espèces, bien sûr, qui nécessitent un éclairage UV, c'est pas adapté. Sachant que, bon, quand ça nécessite un éclairage UV, il faut passer directement au terrarium, parce que là, il n'y a pas de quoi mettre une lampe. Et puis, même si on met une lampe par-dessus, une lampe, que si c'est chauffant, ça va chauffer. Si c'est UV, les UV passent pas avec le plastique. Là, ça va être bien pour un petit juvénile raco. Un petit raco, un petit bébé. Voilà, un tout petit bébé qui aura assez de hauteur. Et un gicolopin, des petits couleuvres, un petit serpent, même un petit royal, un petit PR juvénile, c'est un kit juvénile, c'est pas un kit. Voilà, un kit juvénile, mais pas forcément pour toutes les espèces non plus, parce qu'on ne peut pas faire un kit généralisé pour toutes les espèces mondiales, c'est juste pas possible. Une petite gutte peut rester un bon moment. Voilà, donc après c'est. Bah si, on peut mettre aussi un bébé bois, mais vraiment petit. Vraiment tout petit, voilà, mais petit, après il ne sera pas forcément non, petit. Non, il ne faut pas. Mais ça peut. Si pour dépanner, voilà. Pour dépanner, ton avant d'acheter le terrarium, tout ça, 6 mois maximum. C'est un bon bois, petit kit bien pratique, surtout la côté évolutive des substrats, qui nous permet de choisir un peu ce qu'on, enfin, celui qu'on veut, ça nous donne des possibilités. Et c'est vrai que c'est pratique. Plus les cachettes sont pour les juvéniles sont vraiment très pratiques. Le tapis, bon, c'est clair que si on prend une espèce qui ne nécessite pas de tapis mais de lampe, bah, ça sert pas à grand chose. Mais d'un côté, mais ça peut on peut pas prendre une lampe. Servir pour plus tard. Ça peut servir pour plus tard, oui, mais bon, on peut pas prendre une espèce qui a besoin d'une lampe avec ce type de boîte, c'est pas possible. Donc après, rien n'empêche, par exemple, si on veut un kit juvénile pour, mettons, une petite tortue aquatique, l'air de rien, bah, il y a le trou sur la coco, la coco va couler au fond, donc ça peut faire cachette. La gamelle, il n'y en aura pas besoin, le tapis, il n'en aura pas besoin, et pour une tortue juvénile aquatique, on peut enlever le couvercle. Ouais, ça peut plus. Être le côté pratique aussi. Bah, ou même si on a des enfants. Il peut vous prendre un aquarium aussi. Donc, après, même si on a des enfants, bon, ça évite. Ça évite qu'ils mettent les mains, mais donc, si l'espèce a besoin d'UV, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Sachant qu'une espèce a besoin entre 8 et 12 heures d'UV. C'est du provisoire. C'est du provisoire pour quelques mois et pas plus. Hein. Après, faut bien s'adapter. Voilà. C'est pas le site pour les coups spécialisés pour les coups de cœur non plus des achats compulsifs, mais si on trouve un animal et qu'on n'a pas forcément l'installation dans l'instant T, mais qu'on peut l'avoir par exemple 2 semaines après en attendant la paye ou autre chose. Ouais, même la quarantaine. Ça fait la quarantaine, ça dure pendant un mois et puis ça nous laisse le temps de rebondir directement sur l'autre. Ouais, ça évite d'investir gros dès le début. Voilà, ça nous permet de bien nous préparer derrière. Ou même petite. Toi, t'as un fils guttatus, ça me donne, on a le temps de voir. T'as le temps de voir venir. Pour un terrarium. Voilà. Largement. Tant que ça laisse le temps de voir venir, c'est même le point de Gécolo, pas. Voilà, c'est le but de toute façon de laisser le temps de voir venir. Bon, bien sûr, la nourriture n'est pas comprise dans le kit du juvénile, hein. C'est juste pour du matériel, c'est déjà pas mal. Mais bon, ça permet de bien lancer la chose, on va dire. Ouais, c'est de se lancer. Voilà, ça permet de se lancer en préparant les achats à venir, bien sûr, qui seront importants par la suite. Voilà, c'est vrai que ça évite d'un gros investissement des voilà, début, c'est pas rappeler. Faut bien rappeler que c'est pas pour toute la vie non plus qu'il va vivre là-dedans. Hein. Ben, je vois pas un bois vivre toute la vie là-dedans non plus, mais. Il sera un peu. Il peut aller trop, voilà. Mais bon, c'est pour se lancer avec du jus et puis. Puis même un Jacob, il peut rester encore un moment aussi dedans. Oui, il peut rester un petit peu de temps dedans. Après, un an, il peut rester au moins un an. Au moins, oui. Au moins, après, voilà. Faut adapter la taille à l'animal et après, on. Ça évite d'investir. On se répète beaucoup. C'est pour pas investir trop d'un coup, parce que ça a l'air à finir un coup. Mettre et ils vont risquer le terrarium, tout. Ah, on va vite en avoir pour 200 euros, rien que dans le matériel. Bah, rien que le terrarium, déjà, si on prend un en verre, ça peut monter suivant la taille qu'on prend. Pour un petit copain, un 60, c'est suffisant. Un 60, oui, c'est suffisant, oui, ça fera moins de 200 euros, mais ça fait quand même un coup si c'est en verre. Oui, voilà, c'est. Après, il faut acheter des coups. Le Lego qui coûte cher également, le substrat renouvelé qui coûte cher également. C'est une passion qui coûte cher, mais voilà, après pour se lancer, si on peut trouver un peu moins cher pour démarrer tout simplement, autant trouver de la bonne combine. Voilà, donc ça permet en plus en évolution de substrat, ça aide quand même un petit peu aussi. Donc même si on veut se lancer et qu'on n'est pas trop sûr, ben, au moins ça évite de tout investir gros et puis de tout voilà, mettre en 6 mois si on, ça ne se plaît pas, et ben, voilà, on peut tout revendre. On ne sent plus assez les épaules pour, ou si on a un problème financier aussi. Financier, ça peut arriver aussi. S'il y a un problème qui fait que. Pas le cacher. Voilà, que ce soit santé, que ce soit avec l'animal, que ce soit financier, voilà, ça permet de. De revendre le kit en même temps avec l'animal et la personne qui le reçoit, elle est en même temps. Donc, et puis comme ça évite aussi pour la personne suivante d'investir. D'investir des frais qui en fin de compte ne serviront pas.
Donc c'est normal. C'est tout ce qu'il faut. À part c'est tout ce qu'il faut, oui. Le mieux c'est d'avoir quand même tout ce qu'il faut avant d'acheter l'animal. Voilà, faut rappeler, surtout hein. Ça, faut rappeler. Voilà, toujours avoir ce qu'il faut avant d'acheter l'animal. Après, si on n'a pas ce qu'il faut, mais qu'on peut l'avoir dans un instant très très proche, et ben on peut l'acheter le jour où, par exemple, un quelqu'un sort peut l'acheter le même jour. On peut l'acheter le jour d'achat. Voilà. C'est là, il y a mais c'est, pas de. Voilà, c'est pour de. Pas de l'urgence, enfin. Mais il faut toujours avoir les installations voilà. Premier. Ça, les installations clair, d'abord, tout bien placé, et après, mettre l'animal dedans, toujours. Voilà. Mais en kit, c'est quand même très pratique. Voilà. Puis ça prend pas de place. Ça prend pas de place, c'est pratique, ça se déplace facilement. Voilà. Voilà, c'est mais seulement. C'est léger. Pour, voilà. Puis seulement pour quelques mois, voire année au grand max, ouais. Mais pas plus. Une année ou voilà. Un an et demi. Après, il faut des installations fixes pour l'animal, c'est rien, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc ça c'était pour la partie donc bah, sur les kits juvéniles, hein, bien sûr. Bah, on va passer sur la dernière partie donc, de cette vidéo, qui donc soins. Bah, les soins, donc documentation et soins. Voilà, donc on se retrouve pour la documentation et soins. A tout de suite. Alors donc voici donc bah, pour la partie en fait soins en quelque sorte. Donc soins, contention. Contention, les sondes, bien sûr. Le message aussi. Voilà. Tous ces kits en fin de compte. Hein. Ouais. Donc qu'est-ce que tu nous proposes en fin de compte? Alors, des pinces droites. Donc c'est de différents modèles, donc c'est grâce à ça. Il y en a trois, il y en a d'autres. T'as d'autres modèles plus grands ou plus petits? Plus petit, plus gros. Voilà, donc super pratique hein, pour nourrir à distance, bah, principalement le serpent, bien sûr. Hein. Avec un bout de caoutchouc. Pour pas que la croix glisse. Même, c'est surtout plus éviter qu'il se blesse. Oui, quand il tape dedans, oui, c'est vrai que ça amortit un peu le choc. Ça amortit un peu le choc. Ouais, donc c'est double utilité en quelque sorte. Voilà. Très pratique pour maintenir à distance, hein, bien sûr. Ne pas donner sa proie à un serpent à la main, hein, bien sûr. Hein, c'est très risqué, c'est un coup à se faire chiquer au passage. C'est une obstacle que j'utilise moi-même. Beaucoup plus de. C'est quelle est la différence entre les pinces classiques et donc. Voilà, c'est un peu plus loin quand même. Hein. Un peu plus loin, c'est juste la distance en fin de compte. Puis la meilleure prise quand même. Meilleure prise de la, donc ouais. De la proie, ouais. Moi je préfère. Tu préfères celle-là? Ouais, je préfère juste avec ça. C'est juste que dans ce modèle-là, il n'y a pas forcément non, y a plus long. Il y a plus petit, il y a 25 cm je crois. Mais il n'y a pas plus long. Non, c'est déjà 60 cm, c'est comment? Jamais, avec un serpent sur la défensive, non, quand ça va te taper ça. Après, on va s'attaper sur du gros crochet, du nourrissage comme ça, qui. Comme ça là. Ouais, donc c'est beaucoup plus long. Donc, sur, ouais, qui est un peu plus long, j'en ai jusqu'à 1m30. Voilà, ça c'est pour maintenir principalement donc, la tête de l'animal, c'est bien ça. La tête de l'animal, on peut faire aussi servir de pince de nourrissage. Ça peut servir les deux en même temps. Voilà. Oui, c'est plus prévu pour la construction de base, mais c'est un peu comme un lapin. Oui, c'est vrai que oui, c'est pas avec les petites pinces qu'on va pouvoir maintenir. C'est clair. Là, ce kit là, il est accroché de 60 cm ou 70 cm. Une autre pince plus petite. Petite. Deux pinces, c'est un. Ouais, deux pinces. Angulaire et droite. Voilà, donc c'est. Un aérostat plus petit, 30 cm. Voilà, donc tout ce qui est pour la contention. Enfin, un kit de sexage de 600. Kit de sexage, kit de gavage également. Oui, un kit de gavage aussi. Une sonde de gavage. J'en ai vu venir. J'avais plusieurs sondes. Très très pratique, notamment. Et un petit. Pince avec loupe pour les petits bouts. Ah, c'est très pratique, ça, surtout avec le côté loupe. Hein, donc, voilà. Qui me permet de bien voir le petit bout de mue pour bien le retirer. Bon, bien sûr, bien humidifier l'animal aussi avant de retirer la mue, parce que bon, si on retire sèche, ça peut arracher un peu les écailles. Hein, donc, voilà, faut faire attention. Si c'est un tout petit bout, ça passe. Si c'est un gros bout, voilà. En plus, ça soit une mue entière. Oui, une mue entière, voilà, on ne retire pas la mue d'un animal, on laisse muer tranquille. Et aussi les kits de gavage sexage. Voilà, donc c'est un kit beaucoup plus petit qui est vraiment ciblé, pas ouais. De contention et juste c'est que ça, voilà, gavage, juste, voilà. Moins de sondes, de sondes en moins, à ce que je peux voir. Ouais, il y a 6 sondes. Non, il y a 6 sondes aussi. Ouais, c'est deux. Ah, c'est deux autres sondes, un peu plus, beaucoup plus petites. Voilà. Voilà, pareil, donc, avec la petite loupe. Petite loupe pince. Par contre, on n'a qu'une sonde au niveau du. Ça, c'est, oui, c'est le seul un peu problème voilà. En quelque sorte. Après, ça s'achète différemment, on peut les avoir en RAM. Voilà, tu peux avoir sur différents. Sans kit, voilà. Ouais. Très, très pratique, notamment on retrouve tout dans sa pièce d'élevage, on perd et rien. Voilà, et, ça reste dans une mallette bien qui voilà, bien. Une mallette qui n'est pas franchement dégueulasse, faut dire aussi. Hein, c'est pas la petite mallette en plastique, c'est vraiment un truc bien, voilà. Bien pensé, tissu, facile à ranger. Voilà. Voilà. Passe au kit de sexage. Voilà, kit classique de sexage. Bon, 6 sondes. 6 sondes également aussi. Très, très pratique, très, très petit aussi. Donc facile à ranger hein, bien sûr, bon ça fait que les sondes de sexage hein, mais bon. Voilà. Après s'il y en a qui préfèrent avoir tout en même temps, d'autres qui préfèrent avoir chaque truc dans la ça existe en 8 sondes aussi. En 8 sondes aussi. Ah, c'est 6 sondes bien aussi. Voilà, une sonde plus petite ou plus grosse? Non, c'est la même. Mais après il y a taille différente. Ok.
c'est nouveau, très nouveau ça, sur le marché même. Alors ça, oui, tu m'en avais parlé, c'est les... Donc c'est les kits... Souvent, c'est les reptiles propres. Oui, c'est bon, en fait, moi, pour les soins, la bouche ouverte... Ouais, maintenant, la bouche, il y a le kit lézard tortue et le kit... Kit serpent. Serpent. L'avantage, c'est qu'on met le kit dans la bouche là, et on peut faire ses mains. Tout ce qui ne voilà, ça maintient la bouche, elle n'a pas mal non plus. Donc, bon, il est juste un peu désagréable parce qu'on lui maintient quand même la bouche ouverte, voilà. Contre son gré. Mais c'est vraiment très facile d'utilisation, en plastique seulement en plus, donc c'est vrai que c'est un plastique bien renforcé quand même, c'est pas du tout petit truc. Hein. Ah, une bonne épaisseur, c'est. Et puis il y a différentes sur chaque petit porte-clés, on va dire, il y a différentes tailles. Donc il ne faut pas acheter non plus, enfin juste une taille par une taille par une taille, comme on peut le voir dans les sondes. Ouais, on peut les acheter à l'unité aussi, les sondes, mais là c'est. Dans les sondes, on ne peut pas les acheter à l'unité. Dans certains, j'ai déjà vu à l'unité. Ah bon, juste une seule sonde. Donc c'est rare, mais ça arrive. Là, on a tout ensemble, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir tout ensemble. Ils sont possibles d'animal suivant sa taille. Donc, Bah, il y en a qui existent, vous pouvez les acheter différemment. Individuellement, bon, autant acheter le kit. Ouais, autant acheter le kit, ça coûte pas bien cher non plus. Puis ça se range aussi dans des toilettes comme ça. Donc on peut en refermant, on peut la glisser dedans et ça rentre. Voilà, donc, pas de place. Ça prend pas beaucoup de place, voilà. Ou l'accrocher même si on veut. Sur, par exemple, si on a des serrures pour ces terrariums, l'accrocher sur le porte-clés, tout simplement. Voilà. C'est pratique. Là, on va passer au gel. Donc ça, c'est gel hydroalcoolique, hein, donc la star des terrariophiles, on va dire. Hein, tout le monde en utilise, enfin, tout le monde devrait en utiliser. Utiliser avant et après. Voilà, après, c'est chaque manipulation, chaque changement de terrarium, chaque changement de rack. Après, chaque spécimen. Voilà, chaque spécimen aussi, chaque individu. Si on passe d'une pièce de quarantaine à une pièce d'élevage pour essayer de transporter justement toutes les maladies, c'est le côté pratique parce que bien sûr, on va expliquer que la pièce de quarantaine ne doit pas être dans la pièce d'élevage. Hein. Sinon, ça sert à rien. Si on a par exemple je sais plus comment on appelle les petites bestioles. Les acariens. Les acariens, voilà, cherchez. Si on a des acariens, ça évite de le transporter aussi, puis surtout si c'est la même pièce, ça prolifère assez vite. Alors moi qui n'ai pas de serpent, j'ai pas trop de problèmes d'acariens, d'ailleurs j'en ai jamais eu. Mais pour ceux qui en ont, ceux qui ont des racks ou des comme ça, des boîtes, etc., ça se propage. J'ai eu le Borrelbeus, il était farci. Ah oui, ça a rompu. Non, ça a été, parce qu'il n'y avait que lui qui en avait. Oui, il était déjà. C'était que sur lui, tu as réussi à. Il y a eu un terme d'entrée en arrivant. Oui, donc voilà, c'est dès qu'il est arrivé, tu as pu traiter, comme ça, ça évitait que ça se propage à tous les autres. Il était à part des autres, donc voilà, déjà. C'est très important quand même. Donc, ça, c'est pour nous, hein, pas pour à mettre sur la bête, hein, c'est pour nos mains principalement. On peut également aussi porter des gants, donc on ne t'en vend pas, mais en matériel médical, des gants latex, hein, c'est tout simple, ça fait son effet. Partout. Voilà, donc tout ce qui est pour la quarantaine, bon, ça ne sert pas que pour la quarantaine, ça sert pour tout le temps. Voilà. Donc, autant en avoir. Moi qui est en expo, qui ramène souvent mes tortues, j'en ai sur moi aussi, j'en ai à la maison. De toute façon, même en bourse, il faut en avoir. En bourse, chaque manipulation que ça prend. Tout le monde n'en propose pas forcément aux clients, et ça c'est dommage. Même si, parce qu'on peut avoir des personnes en bourse qui n'en utilisent pas forcément, ou qui ne se lavent pas forcément les mains, ça arrive. Donc après, ça peut être pratique pour nous, en tant que quand on vend ou qu'on propose la manipulation de l'animal, c'est pratique pour nous pour éviter de ramener des cochonneries sur l'animal, que l'animal en souffre. Que notre élevage en souffre derrière, parce que si on ramène l'animal et qu'il retourne directement chez lui, dans son terrarium, dans sa batterie, ça peut contaminer le reste. On peut éviter plein de choses. Donc c'est un petit geste simple, hein, juste on appuie là-haut, hop, si on prend la main. Ça prend 2 secondes. Voilà, ça prend 2 secondes, c'est super rapide. Donc ça existe en gros pot comme ça, je sais que ça existe en plus petit pot aussi, en plus gros, en plus petit. Alors suivant l'élevage qu'on a, ça dure assez longtemps. Quand on fait pas de bourse en tant qu'exposant, qu'on n'a pas d'animal à transporter, dans une pièce d'élevage, ça prend pas, on met ça à côté par exemple d'un robinet ou tout simplement entre 2 terrariums et hop, voilà, c'est rapide, ça prend 2 secondes. Hein. Ça coûte pas bien cher aussi, donc puis c'est indispensable aussi pour l'hygiène, pour notre hygiène au niveau des animaux. Hein, donc c'est la star des terrariophiles. Voilà. Simplement. Je vais revenir sur la contention parce qu'on n'a pas eu vite passé les crochets de contention. Ah ben voilà, on oublie une autre star. Hein, qui est sur celui-là, c'est un tamètre. Mais bon, il y en a plus petit, 70 cm. Il y a plus grand, je crois, sinon. Oui, il y a plus grand. Voilà, bon, ça, c'est genre pas mal. Après, il y a des télescopiques. Pour contention et maintien du serpent, en principe. Voilà, pour les gros serpents, celui-là. Voilà, donc oui, c'est vraiment du résistant. On va pas prendre ça pour une petite gutte.
On pourrait, mais on serait un peu loin de la gutte, et la gutte serait vraiment tranquille à l'autre bout. Voilà. Donc, Ça, c'est plus vraiment du gros serpent comme les bons. Donc, voilà, c'est... Et encore, qu'avec du petit, il fait 60 cm. Bon. Voilà, donc bah après, c'est faut pas être non plus trop loin de l'animal, mais il faut être hors portée s'il est... Ouais, surtout, mais il peut être du venimeux, tout comme ça. Mais bon, oui, après, voilà, après, le venimeux, bon, c'est que voilà, s'il y a des réglementations prévues pour aussi, il faut vraiment avoir des pièces béton, pas tout le monde en a. Donc, puis il faut faire encore plus attention. Voilà. Voilà. Et puis on va parler sur la partie bibliothèque qui est en cours de construction. Voilà, donc la petite partie bibliothèque, et donc là tu nous proposes donc c'est sur tout ce qui est vipère, voilà, ça c'est tout ce qui est asiatique, donc bon, bien sûr pas en français. Non, c'est que sur les vipères. C'est voilà, puis vipères, c'est en anglais, donc c'est, voilà. Voilà, faites pas comme moi, prenez anglais en deuxième langue, hein, ça sera pas mal. Mais voilà. J'aimerais beaucoup une sélection de livres anglais, parce que forcément c'est ce qu'on trouve le mieux. Voilà, c'est ce qu'on trouve le mieux, parce que il faut dire ce qu'il y a, en thérapie française, on a un retard considérable sur les autres pays. Voilà. Faut dire ce qu'il y a. On va construire toute la partie bibliothèque, donc là pour l'instant c'est... Il reste plus que celui-là, j'en avais deux. Mais bon, il reste plus que celui-là, mais... Voilà, mais après tu vas partir sur d'autres espèces, sur les pitonijus, la tortue, le lézard, on fait vraiment une sélection de livres, qui est vraiment... Donc normalement, dans ceux-là, on devrait retrouver tes serpents de l'élevage. Non, même pas. Même pas dedans? Non, pas dedans. Ah que sur les vipères. Ah oui, que sur les vipères, ok. Donc voilà, donc oui, ça fait qu'une partie. De toute façon. Ça fait qu'une partie. Bon, après, il y a d'autres livres qui existent. Voilà, donc ils font vraiment tout. Pas forcément le même éditeur ou forcément le même écrivain dessus, mais voilà, après, ça se trouve assez facilement. Et puis tu auras forcément ta petite gamme bibliothèque qui va s'étoffer. Donc les nouveautés seront bien sûr mises en ligne, hein, voilà, comme d'habitude. Au fur et à mesure. Voilà, sur le site internet qu'on peut voir. On prévient avant que ça va être bientôt disponible. Et puis voilà, après petit message sur Facebook, les réseaux sociaux pour ceux qui suivent. Hein, donc, Onios Concept, hein, la page Facebook, ou Tropical Reptile également, qui repartage un peu les mêmes infos. Voilà. Comme ça, on est sûr de les avoir vus. Donc, c'est super pratique. Surtout que la bibliographie, c'est quand même la base de la thérapie. Ouais. Internet, il y a beaucoup de bêtises de dites dessus. Beaucoup se basent sur ce que le on m'a dit que, ou lui c'est une star de groupe, on m'a dit que. Bah, souvent la star du groupe, il n'est pas capable, il n'a pas d'infos, et il a juste écouté une autre star d'un autre groupe, et il est idolâtré. Enfin, je parle des groupes, hein, bien sûr. Malheureusement, je subis un peu ce truc-là aussi sur certains. Heureusement pour moi, parce que bon, je suis pas non plus une star de la thérapie, hein. Il faut partir du principe qu'on en apprend tous les jours aussi. On apprend forcément tous les jours, parce que j'ai mes tortues, mes installations ont changé 7 fois depuis 2012. Ouais, ils vont encore changer ces installations. Hein. Oui, parce que tu me disais que c'était un peu provisoire, donc où on est, ça sera une partie terrarium. Voilà, ce sera ta partie élevage. Vraiment la partie terrarium, et puis la partie terrarium, on va encore s'agrandir. Puis d'autres matériels risquent de sortir, plus performants, donc notre équipement risque d'être obsolète aussi, il faut dire ce qu'il y a, notamment en termes d'éclairage. Enfin, toi, c'est pas trop ce problème à ce niveau-là. Voilà. Mais ils peuvent sortir d'autres choses qui peuvent nous séduire. Donc, moi, depuis 2012, mes installations ont changé 7 fois, et elles vont encore changer. Donc, on en apprend tous les jours, on change tous les jours, et la bibliographie, donc. Ce sont des herpétologistes, bien souvent, ou des scientifiques qui font des voyages de par le monde, qui voient l'animal dans son habitat naturel, qui le voient donc évoluer, se nourrir, se déplacer, son habitat, donc vraiment total, et qui eux nous retranscrivent donc leurs informations là-dessus, dans ces bouquins-là, ce qui nous permet de savoir quel continent. Parce qu'on peut avoir tout bêtement, on peut avoir des animaux qui peuvent se retrouver par exemple dans le continent africain, mais ils ne sont pas forcément désertiques. C'est un animal qui peut se retrouver par exemple en forêt amazonienne qui n'est pas forcément arboricole non plus. Voilà, c'est ce livre-là qui nous apporte des informations essentielles. C'est un investissement. C'est un investissement. Après, ça reste vague à long terme. Température. Ça reste un investissement à long terme. Ça nous apprend en fait la base de l'animal. Ça évolue. Après, ça nous nous adapter avec le matériel. Après, c'est ça évolue. Les livres évoluent. Ça évolue parce qu'on en apprend plus ce qu'on ne pouvait pas apprendre. Sachant que les personnes qui ont découvert les espèces étaient dans les années 1700, donc il y a quand même. Il y a quand même un bout, quoi. La terrariophilie se développe depuis quelques années, pas mal d'années maintenant, mais il y avait les années 60. Voilà, mais il n'y avait pas autant ce phénomène, on n'avait pas autant de connaissances, on n'avait pas. Rien que des vétérinaires spécialisés de NAC, ils ne sont pas spécialisés de NAC depuis vraiment très longtemps. Et d'ailleurs, on n'en trouve vraiment pas partout non plus en France, malgré que la terrariophilie soit répandue.
Bon, certains vétérinaires apprennent quand même, parce qu'ils ont la clientèle qui peut y arriver derrière, ça reste un peu commerçant ce côté-là, on va dire, mais c'est... Il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître un peu, parce que quand on nous ramène un serpent ou un truc comme ça, il faut savoir vraiment le soigner, parce que la personne qui est, que nous, en tant que passionnés, on aimerait donc soigner notre animal. Donc c'est vrai que ça nous apporte la base de ce que nous, on doit faire pour recréer l'habitat en milieu captif, tout simplement. Ouais. Donc ça reste une base. Après, il faut connaître, bon, pour les bons livres, il faut connaître bien sûr l'anglais, hein. Après, c'est là qu'on prend le commerce. Voilà, après, si on a quelqu'un, un ami qui parle anglais, on fait traduire et on le paye un petit peu, c'est réglé. Certains trucs, ça arrive, c'est facile à comprendre. Voilà, et certains termes, après, bon, moi qui en anglais. Je suis mutation. Voilà, après, moi en anglais, je suis une quiche, on va dire ce qu'il y a, je suis une quiche en anglais. Mais j'arrive quand même à le comprendre et c'est vrai qu'après, bon, quand on fait des phrases. Bon, bien sûr, je déconseille Google Traduction, hein, bien sûr. Tout le monde aura essayé, je suis sûr qu'il y en a qui essayent déjà. Et j'ai moins c'est pas, oui, il y a moins à se plaindre, mais c'est pas mieux non plus. Non, c'est pas mieux, mais après, les voilà, fournisseurs avec qui je parle, c'est plus facile pour moi. Ils comprennent mieux que. Ils comprennent mieux, bah, ils font un peu de ce qu'on fait nous avec la vidéo. Moi, je parle français, ils font tout ce qui se dit bien. Ils remettent les mots à leur place, comme nous on fait exactement actuellement avec la bibliographie. Mais bon, après, voilà, même si on les comprend pas, on peut se les faire traduire. On demande à quelqu'un de traduire tel ou tel terme ou telle phrase, ils vont nous filer un coup de main, il y a toujours un moyen d'avoir de l'aide. Mais c'est la base de la théraphilie, la bibliographie. C'est là qu'on apprend tout. Oui. À moins de faire des voyages directement. Ah, bon, on va parler de tes projets, ouais, parce que bah, y en a quand même pas mal, hein, oui. Là-bas, tu travailles. Hein. Bah oui. Ça alors, dis-nous tout. Déjà, niveau bourse, on va commencer par là. Oui, bah, parce que c'est l'actualité directe, on va dire. Voilà. Pour un projet bourse, sur la race au mois de juin. Voilà, demain, il y a la bourse de Laval, mais la vidéo sera pas sortie avant, malheureusement, hein, désolé. Hein. Donc, je serai à Arras le 26 juin. Arras le 26 juin, pas date avant, juste non, Arras, Arras après, non, après ce sera Béthune. Béthune, bah, il y a les vacances, donc après on se repose un peu. Septembre, on voit encore pour septembre. Septembre, oui, donc tu me parlais de Bordeaux, mais c'est en suspens. Octobre Bordeaux également, oui. Il y aura Sergy-les-Lemans. Sergy-les-Lemans, alors c'est j'attends fin septembre, début octobre, on ne sait pas encore. Il y aura les dates. New York au mois de novembre. New York, tout à fait. Et il y a Gargenville au mois d'octobre. David Moreau et l'équipe de l'œil du Croco, enfin du Croco, c'est l'œil du Croco. L'œil du Croco, je me trompe pas, sensation. On passe le bonjour, on sera bien sûr là à Gargenville hein, pour faire la fête comme d'hab. Hein. La fête de la Théraphilie, parce que chaque bourse est une fête pour la Théraphilie, voir ça comme ça. Arras peut-être en novembre si refait. Bah, ça dépend la date. Ça dépend la date, effectivement, oui, parce que oui, je suis à New York s'ils font la même. Si oui, t'es bloqué, donc c'est ça. Ça sera New York que je peux gérer parce que T'es plus près déjà. Puis même pas pour ça, c'est que New York, j'ai exposé l'année dernière, et puis on va continuer pour se fidéliser. Voilà, fidéliser un petit peu une petite clientèle, puis t'as plutôt bien marché en plus là-bas. Ça oui, pas trop... et puis c'est pas, pas spécialement pour ça, c'est parce que on fait découvrir aussi la théraphilie et on propose des nouveaux produits, voilà, c'est ça le but aussi. Bah, surtout voilà, c'est quand on va. Parce que par chez nous dans l'ouest, on n'a pas grand chose déjà. Tout ce qui est l'ouest, vers même un peu le sud, oui, c'est pour on ça, a l'impression qu'il y a un désert terrariophile là-bas. C'est le nord est bien, un petit peu. Il est bien garni. Le nord avec la Belgique fait qu'il y a beaucoup de monde, c'est clair. Ouais, voilà, puis on mais descend c'est vrai que plus on descend sous l'île de France, et ça devient un désert. Hein. C'est pour ça. Pourtant, il y a du terrariophile là-bas. Hein. Donc, mais après, on essaie de. Mais les bourses se montent parce que Vanicourt cette année. Tu ne seras pas, mais moi j'y serai. J'ai pas pu, je peux pas, mais c'est mais, Vanicourt c'est une première. Il aurait dû avoir Grugy normalement le 22 mai, mais ça a été reporté et c'est devenu une bourse crevette le 18 septembre. Donc je sais pas trop moi si j'y serai aussi. Donc toi, je sais que tu ne seras pas, hein, bien sûr. Non, pas fan de crevette. Tu les autres dans mon assiette. Voilà, limite. Mais après, voilà, c'est il y a des différentes bourses. Après, on ne peut pas forcément faire tout. On ne peut pas tout faire plus. On a une vie professionnelle à côté. Voilà, mais bon, pas même si tu ne peux pas être à une bourse, tu as quand même le mail, le site. Voilà, on peut toujours faire 6 jours matériel. 7 jours sur 7. Voilà, il y a toujours moyen d'avoir du matériel de qualité et assez rapide là-dedans. Donc, donc après, avec à part les bourses, tu as quand même aussi un autre projet donc, que tu me disais. Un petit showroom qu'on va faire. Dans les locaux de la. Voilà, les futurs locaux qui sont en train de se mettre en place pour la. Déjà qu'on prévoit, déjà, on finira la pièce d'élevage avant et on attaquera après le showroom. Voilà, selon l'avenir. Voilà, pareil. Histoire de créer la petite boutique physique de. Voilà, le concept. Le côté familial. Voilà, que. C'est un côté familial qu'on a un showroom. Que les gens puissent voir vraiment, que ceux qui t'ont vu, qu'ils puissent te voir
toi en direct, discuter un petit peu, voir après, un peu les produits. On veut le côté féminin, voilà c'est... même quitte à boire un petit café, un petit coup. Voilà, après ça. Obligatoirement un café. Faut que ça reste un peu. Une grande famille terrariophile. Hein, ouais, faut que ça reste. Faut qu'il y ait une proximité, que tu rentres sur une bourse. Voilà, que ça, voilà, qu'il y ait l'effet bourse, mais en contact. Voilà, voilà. Faut que reste contact humain. Ça peut être pas mal, après faut voir bien sûr comment ça évolue, si le projet est bon. Mais j'espère que nos amis terrariophiles seront quand même au rendez-vous au moment où ça arrivera. On étudie la chose, je pense. Faut être patient. Voilà, faut être confiant. Puis... D'autres projets prévus, certainement au projet repro. Tu vois les hétérodons, les clémons qu'on fera en repro. Voilà, donc oui, c'est d'ici 2017. Donc, ouais, peut-être, on espère. Ouais. Selon le poids des spécimens. Quoi. Après, la partie pièces d'élevage, c'est vrai, il faut qu'elle évolue. Voilà, la faire évoluer, la finir totalement. Pour qu'elle soit opérationnelle. Voilà, dès que elle est opérationnelle à 40%, on va dire. Voilà, même à 40%, c'est quand même une belle petite pièce. Là, les installations ne sont pas finies. Il y a encore des terrains, certaines bêtes qui doivent changer leur terrain définitif quand même. Oui, histoire de bien les mettre à l'aise, qu'elles soient bien dans l'environnement. Voilà, parce qu'il faut quand même payer pour les acquisitions de nouveaux projets aussi, de spécimens. Voilà, il faut que ça vienne un petit peu. On met des petites surprises, on espère. Espérons. Voilà. Une surprise à présenter pour une prochaine vidéo. Donc, peut-être une prochaine vidéo. Le futur projet repos, oui. Oui, ça peut être sympa. Pas obligatoirement repos, mais au moins les avoir déjà. Oui, avoir déjà des idées pour renouveler un petit peu sa passion, se renouveler des défis. Relever des défis, j'aime bien. Beaucoup de terrariophiles aiment bien les défis. Surtout des espèces qu'on n'arrive pas à reproduire encore. Ça peut être surtout réussir à les reproduire. Même si c'est un premier, même si c'est pas forcément un gros fait noir, mais c'est quand même son petit truc. C'est sa fierté. Sa petite fierté d'être l'un des premiers. On est comme des enfants, je vous dis qu'on voit un petit. Que ce soit un petit gécolopin, un petit but ou un aspidites qui sort de l'œuf. On craque. On craque, on est des enfants. Hein. On craque totalement, c'est le miracle de la vie. On voit la petite tête qui sort et puis hop. Puis, après on voit venir des gros trucs comme ça. Tout simplement. On est comme des gosses et puis c'est ça qu'on a envie, on voit des bêtes, c'est le petit bonheur de la terrariophilie, on va dire. Petit côté tendresse. Beaucoup de projets de côté élevage aussi, on va bien voir. D'acquisition surtout. On va bien voir où ça mène. Voilà, faut voir. Prendre son temps. Voilà, il faut prendre son temps. Prendre son temps, il a son rire. Il faut prendre son temps. Quant à moi, de toute façon, au niveau projet, ça sera les bourses hein, principalement. Avec la bourse Laval demain, bien sûr. Hein, après j'aurai Magny-Cours, Liévin, j'aurai Arras, Béthune, Bordeaux où c'est officialisé. Après je vais attendre Serge et Le Mans où je tiens vraiment à y aller hein, quand même. J'espère que ça tombera pas sur la date de Bordeaux, ça m'arrangerait. Arras au mois de novembre aussi également, Gargenville, qui est proche de chez moi. Donc c'est Saint-Aquilin au mois de février prochain aussi. Saint-Aquilin, oui, ça sera pour l'année prochaine, donc on va laisser le temps de passer Noël quand même. Ouais, digérer. Ouais, digérer un petit peu. Après le projet repro, j'ai collé au part un petit peu pour nos amis de Creativity Géco. Hein, Quentin et Tao, hein, salut les gars. Après Tortue, on verra bien si ma grosse veut bien pondre dans le sable cette fois-ci, éviter de pondre dans l'eau, ça m'arrangerait. T'as pondu de l'eau cette année ? J'ai pas rien retrouvé, donc je pense qu'elle m'a refait pareil. Donc elle prend son temps, de toute façon je suis pas non plus pour pas être de la repro pour prendre, je lui laisse prendre son temps. Non, faut prendre son temps. Si elle décide de pondre dans le sable. C'est bien, ça m'arrange, ça fera des petits, puis si elles ne pas dans le sable, tant pis. Hein. Tu vis de l'eau? Voilà, je vis de l'eau, je vais mettre dans le sable. Après, j'ai le temps, peut-être que les pélos vont finir par s'y mettre aussi également, parce que les femelles commencent à arriver à maturité. De toute façon, il faut prendre son temps, faut pas se presser. Je laisse prendre leur temps, modification des installations en projet aussi, parce que les pélos sont dans des bacs provisoires pour le moment, parce que les aquariums coûtent vraiment terriblement cher. Hein. Mmh. Et je vise des aquariums de 200 par 60 par 60. Donc c'est son détail un peu spécifique que je vais faire sur mesure via une boutique spécialisée qui est vers chez moi, donc dans le 95. Donc ça va être très pratique, donc le temps de les acheter, de les travailler, parce que je vais travailler les deux en même temps, c'est du budget aussi également. Donc là pour l'instant, il faut peut-être changer de locaux. Changer de locaux serait pas mal aussi, mais bon malheureusement chaque chose en son temps, donc je verrai bien. Puis, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est comme moi ici là. On investit gros et chaque chose en son temps, puis il faut prendre son temps de faire les choses. Voilà, j'ai pris mon temps et petit à petit, ça donne du calme à petit, l'oignon 37.
Voilà, tout simplement. Ça fait des années qu'on travaille dessus pendant des années et au final, quand ça commence à marcher, on est content, mais quand ça marche bien, on est encore plus content. C'est un peu notre bébé à nous derrière. Ouais, c'est mon troisième enfant, ça. Voilà, tout simplement. Bon, bah voilà pour cette petite vidéo. Je pense qu'on a vu tout le tour au niveau des animaux, tropical reptiles, du matériel avec Omnios Concept et puis de tout ce qu'il y avait à voir. Peut-être une vidéo si on a le temps de la bourse de Laval. On verra pour Laval si on a le temps de faire quelque chose. Pénurie d'essence, c'est pas évident. La bourse a manqué de pub, hein, on peut le dire clairement. Donc je suis même pas sûr que tout le monde le sait. Donc pas trop d'exposants non plus. Ça s'était pris un peu tard, un peu à l'arrache. Mais bon, on va y aller quand même de bonne humeur et on va espérer. Mmh. Hein. Donc s'il n'y a pas trop de monde, j'aurai le temps de faire un petit tour pour montrer au moins les exposants qui ne sont pas vraiment venus pour rien. À midi, je pense, ça va être clair. Oui, soit pas du midi comme on fait d'habitude. Voilà. De toute façon, on est dans un cadre où il y a beaucoup de monde. Voilà, donc il y aura, je pense, de quoi faire. De la visite. Mais c'est pas encore sûr, vu qu'il y a le stand à gérer, je peux pas tout gérer en même temps. Mais on va essayer de faire quelque chose. Donc, on souhaite bonne chance pour la bourse. Ça. Bonne chance à la bourse, quand même, oui, c'est clair. Puis bonne chance à tous nos abonnés aussi qui suivent la chaîne. Donc, bonne chance pour vos prochaines acquisitions en bourse, vos prochains projets. Et une prochaine fois sur une bourse. Voilà, une prochaine fois sur une bourse, vous passez nous voir et puis faut pas hésiter. Voilà, puis on se dit à une prochaine vidéo. Salut. Salut.